première maladie génétique au monde, la drépanocytose touche environ 240 000 enfants qui naissent chaque année en Afrique subsaharienne. Sans prise en charge, on estime que la moitié de ces enfants décédera avant l'âge de 5 ans. Au Burkina Faso, la Fondation Pierre Fabre mène avec le Comité d'initiative contre la drépanocytose un programme de sensibilisation, de dépistage et de prise en charge des malades. Le message que nous voulons faire passer aujourd'hui, c'est d'abord sensibiliser sur la drépanocytose, amener les populations à mieux connaître la maladie, les inviter à faire le dépistage et également les inviter à faire le suivi médical pour améliorer la qualité de vie du drépanocytaire. C'est une maladie qui ne finit pas, c'est à vie, c'est une maladie à vie. Donc, on demande le soutien pour tous les drépanocytaires parce que c'est une maladie vraiment génétique qui nous fatigue. Avec l'appui de notre partenaire de la Fondation Pierre Fabre, nous avons réussi à faire le diagnostic néonatal au Burkina. Et il y a des parents de drépanocytaires qui ont été dépistés, qui nous disent « Ouf, cette fois-ci, j'ai pu dépister mon enfant à temps. Ce que j'ai vécu avec son grand frère, je pourrais anticiper sur les autres frères. » C'est à l'âge de 35 ans que j'ai su que j'étais drépanocytaire. Je suis là pour sensibiliser, pour dire à beaucoup de personnes de venir connaître réellement la maladie pour pouvoir aider autres qui ne savent pas, qui ne connaissent pas la maladie. Même mes enfants sont drépanocytaires. Donc, les enfants tombent malades, je ne sais pas comment faire. Mais présentement, dès qu'un enfant est malade, directement, je vais à l'hôpital. Je sais comment m'exprimer pour qu'on le prenne en charge tout de suite. Maladie du sang, la drépanocytose provoque des crises vaso-occlusives extrêmement douloureuses, privant d'oxygène et dégradant les organes comme les reins, les yeux ou la rate. S'ajoute à cela une anémie chronique et des risques importants de faire un accident vasculaire cérébral. Là, il fait sa crise vaso-occlusive. Donc, je vais lui prendre une voie veineuse pour passer les antalgiques afin de soulager sa douleur. Depuis qu'il y a eu la formation sur la morphine, ça nous a appris à traiter la douleur facilement, quoi. J'ai pas pu dormir hier nuit, donc les douleurs étaient très fortes. Et ce matin, on a décidé de venir voir mon docteur. Vivre avec la maladie, vraiment, c'est pas facile. Ça me met beaucoup en retard dans mes études. Je compte venir en aide aux enfants qui souffrent également de cette maladie. On vit toujours dans l'angoisse. Les crises viennent d'un moment à l'autre, donc tout le temps vous êtes stressé. Dès sa naissance, nous avons fait des examens et on nous a dit qu'elle avait la drépano. Et vite, on a allé aux soins directement pour commencer à traiter. Donc je pense que ça donne le courage à elle et à nous aussi d'affronter les choses. Ça épuise financièrement. Voilà, c'est vraiment socialement où ça pose le problème. Et si toutefois il y a des complications comme l'ostéonécrose qui survient avec une prise en charge au-delà du million, c'est pas évident. Parce que si le drépanocytaire a les moyens, ça va. Mais la plupart n'ont pas les moyens. Il y a de l'espoir parce que j'ai des drépanocytaires qui ont 54 ans. Ce n'est plus le message d'avant où quand on te dépiste drépanocytaire, tu dois vivre 20 ans. Non, le drépanocytaire peut vivre aujourd'hui, au mieux avec sa pathologie, il peut même faire des enfants, il peut travailler, mais cela suppose quand même un accompagnement.